Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Vous connaissez ces héritos, ça peut jamais, jamais, oui, au grand jamais chauffer. Moi, en tout cas, je vais superbement bien et je prie que Dieu vous donne toujours la santé, une santé de fer et beaucoup, beaucoup de doigts ou beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, on parle de Serge Binot et de Didier Arafat, feu Didier Arafat, et vous allez comprendre pourquoi. Et mieux, je vais parler aussi de Sidi Diabaté qui est en train de faire énormément pour pérenniser la mémoire de notre hérité Didier Arafat. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo-là. Parce qu'un truc de fou se passe actuellement. Voilà, un truc de fou, vous avez bien vu le titre, c'est de ça que je veux parler. Quand je finis d'aborder le sujet Sidi Diabaté, je vais vous donner plus de détails sur ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà, parce que c'est énorme. Serge Beno, le roi du YouTube des artistes, vient d'être détrôné par feu Didier Arafat, à titre posthume. C'est vraiment quelque chose de grandiose, c'est vraiment quelque chose de lourd. On se prépare pour le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès à la base. Je procède à des virements. Très bon retour à vous. Voilà, on commence la vidéo maintenant. Franchement, vous n'allez pas comprendre cette vidéo-là, mais je sais que vous allez la comprendre si vous la regardez intégralement. Donc, j'ai besoin de vos avis en commentaire, j'ai besoin de vos likes, c'est ça, la récompense, pour montrer un peu de votre soutien là. Et puis, ce que vous devez savoir, c'est que Sidi Diabaté, comme j'ai dit, est en train de faire beaucoup pour pérenniser la mémoire de Didier Arafat. Parce que c'était vraiment des frères. Et il est prêt à aller jusqu'à faire le remix de Kong. Franchement, Sidi Diabaté, la Côte d'Ivoire te dit merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour notre hérité Didier Arafat. Pour essayer de toujours garder en mémoire, dans l'esprit de tous les fans et tous les bénémoines, que Didier Arafat a existé et ce fut un grand monument de notre musique ivoirienne. Vraiment, Sidi Diabaté, grand merci. Grand, grand, grand merci parce que de toi aussi viennent de bonnes choses. C'est très important. Ceux qui pensent que Sidi Diabaté est mon ennemi ou bien je déteste Sidi Diabaté parce que je suis fan d'Ibawano, vous vous mentez. Voilà, vous mentez à vous-même parce que moi je suis pour la musique africaine. Voilà, bien que j'adore mon coupé décalé, je suis plus basé sur le coupé décalé. J'adore toute la musique africaine. Donc, quand je vois un Sidi Diabaté fait ce genre de geste-là, à rendre toujours hommage à Didier Arafat, à tous ses spectacles, franchement, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose à applaudir. Et je suis fier, 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 fier de toi, Sidi Diabaté. Je suis très fier de toi. Franchement, c'est le big up des héritos. Et sache que je vais maintenant vraiment avoir l'œil sur toutes tes sorties pour faire des décryptages. Si c'est bon, je te dirai que c'est bon. Si c'est pas bon, je te dirai que c'est pas bon. C'est vrai qu'on dira que je ne suis pas chanteur, mais j'ai l'esprit critique. Et jusque-là, tu es un bon chanteur. Tu as un gros talent, tu as aussi une grande valeur du Mali, du Grand Mali. Donc, c'est l'Afrique qui gagne, voilà. C'est le Mali qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, je tenais vraiment à lui dire merci avant même de poursuivre cette vidéo-là. Parce que, franchement, Sidi Diabaté est le seul artiste depuis la mort de Didier Arafat qui continue à rendre hommage à Didier Arafat. Voilà, il continue dans tous ses spectacles, dans toutes ses sorties, à rendre hommage à Didier Arafat. Et lui a rendu un vibrant, 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 vibrant hommage à Bercy. Et ça, franchement, toute la Côte d'Ivoire te dit merci. Toute la Côte d'Ivoire t'en félicite. Qu'Allah te bénisse, qu'Allah bénisse ta carrière, qu'Allah bénisse tous tes projets, qu'Allah bénisse tous tes prochains sons, qu'Allah bénisse ta famille et tout le Mali. Voilà, big up à Sidi Diabaté, big up à tous les Maliens. Voilà, les gladiateurs, c'est famille, hein, je vous ai dit, ne faites pas comme d'autres. Pendant qu'on vous déteste, priez pour eux, pour que Dieu vous rende grand, pour qu'ils puissent voir. Voilà, on va parler maintenant de cette histoire de Didier Arafat, de Serge Bido. A tout à l'heure, les amis. Voilà, je vous explique maintenant l'histoire de Didier Arafat et Serge Bido concernant YouTube. Vous savez, Serge Beno est l'un des premiers artistes coupés décalés qui s'est très très vite personnalisé. Vous comprenez un peu? Il a vite créé sa page Facebook, il a vite créé sa page YouTube, on n'a pas dit sa chaîne YouTube. Et franchement, tout allait bien. Voilà, ses abonnés progressaient. En tout cas, tous ses comptes progressaient nettement bien. Et il y avait un challenge. Il y avait un challenge entre lui et Didier Arafat parce que quand il a créé sa page Facebook avant Didier Arafat, il avait plus d'abonnés. Didier Arafat a bataillé, 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 bataillé. Didier Arafat est venu le dépasser en nombre d'abonnés sur Facebook. Et franchement, sur YouTube, c'était vraiment, 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 vraiment difficile. C'était vraiment, vraiment quelque chose de colossal. C'était un combat où je disais, ouais, Bruno, franchement,
qu'on l'aime ou pas, le mec il maîtrise son game. YouTube seulement, faut pas t'amuser là-bas. Faut vraiment pas t'amuser avec Beno là-bas. Le seul artiste coupé décalé qui comptabilise plus de 200 millions de vues sur YouTube. C'est énorme. C'est pas rien. C'est costaud. Voilà. Donc, on se disait, Didier Arafat qui est le numéro 1 du coupé décalé, pourquoi il n'arrive pas à dépasser Serge Beno sur YouTube? Est-ce parce que Serge Beno publie beaucoup de vidéos sur YouTube? Ou bien est-ce parce que Serge Beno est le plus vu simplement sur YouTube? Les gens aiment bien regarder Serge Beno sur YouTube parce qu'il faut dire aussi que les clips de Serge Beno sont vraiment, vraiment attrayants. Et si j'ai bon souvenir ou bonne mémoire, il y avait plus de, je crois, si je ne me trompe pas, si je ne vais pas mentir, hein, il y avait plus de 70 à 75 000 abonnés entre Didier Arafat et Serge Beno. Serge Beno bien qui avait l'avantage. Et j'étais là comme ça, je me disais, bon, comment est-ce que Didier Arafat allait dépasser Didier Arafat, c'était de son vivant. Donc, bon, le numéro 1, bon, tu es le numéro 1 sur Instagram, tu es le numéro 1 sur Facebook, tu es le numéro 1 même du coupé décalé. Mais pourquoi sur YouTube c'est aussi difficile? Est-ce parce que tu as des fans qui n'arrivent pas à s'abonner ou même qui ne savent pas comment s'abonner? Et puis comme ça, pas extraordinaire, je me réveille un matin, je m'en vais, je regarde, je vois Didier Arafat, 664 000 abonnés. Quelqu'un qui était dans 500 et quelques avant sa mort. Je ne sais même pas ce qui s'est passé en fait. Pendant que Didier Arafat était dans 500, je crois, 580 ou 585 000 abonnés, je ne sais pas là. Beno était déjà dans ses 600 et quelques mille abonnés. 650 000 ou 660 000, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui où je vous parle, Didier Arafat comptabilise plus de 664 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Pendant ce temps, Beno, le grand Beno, le roi de YouTube, parmi les artistes, comptabilise que 662 000. Franchement, c'est pour montrer combien de fois aussi que Didier Arafat était vraiment influent. Voilà, donc comme je vous disais, c'est pour vous dire un peu combien de fois Didier Arafat est influent et était influent. Parce que franchement, hein, moi je suis un gars, je regarde beaucoup les détails. Et bien qu'on sait que Didier Arafat était le numéro 1 du coupé décalé, très influent qu'il était, j'arrivais pas à comprendre pourquoi il n'était pas l'artiste coupé décalé qui avait le plus d'abonnés sur YouTube. Je n'ai jamais compris. Parce que jusque là, Didier Arafat détrône Serge Beno seulement sur le point des abonnés. Voilà, parce qu'au niveau des vues, Serge Beno reste le boss. On dira que peut-être c'est parce qu'il a publié beaucoup de vidéos, parce que Serge Beno, c'est plus de 200 vidéos publiées sur sa chaîne YouTube. Et Didier Arafat, je crois, 149 vidéos. Donc, un premier, c'est un premier. On donnera pas, on fera pas de débat. Didier Arafat est désormais le numéro 1 en matière d'abonnés des artistes ivoiriens, malgré sa mort, malgré qu'il n'est plus avec nous sur YouTube. Et malheureusement, le roi Beno de YouTube, parmi les artistes ivoiriens, devient le second. Espérons qu'il puisse remonter la pointe parce que lui, il est encore vivant, il est encore en exercice. Et je pense que ses abonnés vont commencer à grimper. Donc, les fans de Beno, votre artiste vient d'être détrôné au niveau de sa chaîne YouTube parce que Didier Arafat est désormais le numéro 1 des plus influents sur YouTube. Mais au niveau des vues, Beno reste toujours le boss parce que c'est plus de, comme je disais, c'est plus de 200 millions de vues. Beno reste le boss au niveau des vues sur YouTube parmi les artistes ivoiriens. Voilà, parce que quand je dis le roi des YouTube au niveau des artistes, c'est, je parle pas des artistes de toute l'Afrique ou bien du monde entier, mais je parle des artistes ivoiriens. Voilà, précisément du coupé décalé. Donc, chef fan de la Benomania, c'est l'info qui est là. Didier Arafat, malgré sa mort, vient de détrôner votre artiste. Et je vous demande si vous voyez ça en foutaise, que quelqu'un qui n'est plus, bien qu'il soit influent, vienne dépasser votre artiste, allez vous abonner massivement sur sa chaîne YouTube pour qu'il puisse reprendre sa place et au niveau des vues et au niveau des abonnés. Voilà, mais jusque-là, Instagram, Didier Arafat est le boss. Facebook, 2 millions, plus de 2 400 000 abonnés. Franchement, Didier Arafat restera gravé dans nos mémoires. Un capitaine, c'est un capitaine. Un boss, c'est un boss. Un numéro 1, demain, numéro 1. Voilà. C'est pourquoi j'ai fait ma vidéo d'hier. Il ne faut pas que le numéro 1 pète sa place. C'est vrai qu'il n'est plus, mais actuellement, il demeure le numéro 1 parce que depuis sa disparition, on ne sent plus le mouvement. C'est comme s'il représentait 50% du mouvement. Et là, tous les artistes coupés les canons à la pression, vous devez vraiment vous bouger. Parce que si Universal et la Eurogame sont vraiment bien organisés, qu'ils veulent continuer à faire sortir les morceaux qu'avait déjà fini Didier Arafat, franchement, même depuis sa tombe, Didier Arafat restera le numéro 1. Donc c'est la vidéo que j'avais envie de faire aujourd'hui pour essayer de vous égayer un peu, pour essayer de booster un peu les fans de Beno et booster les fans de Didier Arafat, pour soit maintenir Didier Arafat au niveau de YouTube en tant que numéro 1, ou demander aux fans de Beno de reprendre leur place de numéro 1. Voilà, qui vient d'être raflée, qui vient d'être prise par le grand feu Didier Arafat. Franchement, je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo-là avec vous. J'espère que
vous êtes d'avis avec moi en commentaire. Si vous n'êtes pas d'avis, pas d'injure, dites-moi simplement que vous n'êtes pas d'avis. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, je récapitule la vidéo. Sidiki Diabaté, je pense qu'il est plus chinois que malien, juste pour déconner, parce que franchement, on sent que l'amour qu'il portait à Didier Arafat était vraiment, vraiment, je dis bien vraiment, vraiment profond. Voilà, il était vraiment, 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 vraiment profond. Et moi, je suis très fier de ce genre de personnes, là, voilà, qui savent donner de la valeur aux relations, qui savent montrer aux gens combien de fois ils tenaient à la personne qui n'est plus parmi nous. Et franchement, Sidiki Diabaté le montre très bien. Sidiki Diabaté le montre très bien. Et je vais commencer à me concentrer sur sa musique pour qu'il puisse savoir que Eritor, quand je commence à faire les décryptages de ton morceau, soit c'est du flop ou soit ça marche. Et comme je sais que tu es un gros talent, tu es un grand artiste qui n'est plus à présenter, j'espère que tu ne feras pas de flop parce que jusque-là, ce sont des bonnes sorties, ce sont des bonnes productions. Et puis bon, c'est le Mali qui gagne. Donc, pour dire aussi aux fans de Beno et de Didier Arafat, c'est ça le challenge. Actuellement, le nouveau roi en matière d'abonnés sur YouTube, c'est bien Didier Arafat. Plus de 664 000 abonnés à ce jour. Et Serge Beno, qui était le numéro 1, largement le numéro 1 sur YouTube, stagne à 662 000 abonnés sur YouTube. Donc, le challenge est à votre main. Si vous voulez que votre artiste reprenne le flambeau, c'est à vous de faire, fan de Beno. Et si vous voulez que votre artiste demeure numéro 1, c'est à vous de faire, fan de Didier Arafat. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Serge Beno, que Dieu bénisse Didier Arafat, que Dieu bénisse mon couple décalé. Pour ne pas qu'il meure. C'était Eritor, on partage massivement la vidéo. Ciao, ciao.